cheveux qui chutent en silence tombent pour de bon. Manifeste à la brosse pour une chute de cheveux consciente. Chers congénères du poil sur les cailloux, citoyennes, citoyens à crinière responsable, nos cheveux chutent dans le silence et l'indifférence. Nos cheveux chutent ici même sur le parterre des générateurs de gentils. Nos cheveux chutent par ailleurs dans nos ponchos, dans nos draps housses, dans un wagon de tram. Nos cheveux chutent partout, à toute heure, sans prévenir ni le barbier, ni la voisine, ni le casque de vélo. Les chiffres sont là, nos types nous lâchent en évasion massive. Pour les puissants d'entre nos cuirs, 50 à 100 cheveux défunts par jour. Pire en automne, et au printemps, nous les gardons sans nos crânes, sans état d'âme, planqués sous les verrés de tes mains au coin mousse, depuis les tutoriels télématiques. Rien que la semaine passée, ce sont par individu quelques 324 cheveux chus chez la tante Cécile entre deux tasses de thé, le cardamome et tout pire météo ornithorynque. 455 cheveux chus sur la ligne 3 du métro en va-et-vient, debout en dehors des heures de pointe. 176 cheveux chus en somme dans le livre. 893 cheveux chus la nuit à la pêche aux réseaux sociaux. 3277 cheveux chus dans les couloirs de l'hôpital. Oui, je précise que ce sont les chiffres pour un agent hospitalier et non pour un patient habité. Ce sont autant de cheveux chus au second plan de nos existences, qui nécrosent les pattes des pigeons, qui chavirent dans les bouches de loups, des ramasses broyées, des brosses en fer, des gardes de boue, des peignes à coups, des plats préparés sans électrique. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'activité de doute et de réflexion profonde induit à une surchauffe des glandes sébacées. Plus vous pensez, et plus le cuir chevelu s'emballe, s'enflamme et consume vos racines. Depuis ce petit nuage de fumée au-dessus de vos oreilles, tomberait asphyxié le cheveu. Onifossile ! Onifossile ! Combien de cheveux chus, égarés, abandonnés à leur détachement. Ici, au salon de couf, moins de l'air pour plus d'écologie, on donne une seconde vie à vos mèches chues et à vos défunts stiffs. En étant plus attentif à vos chutes de cheveux, vous collectez de frange à frange pour le futur, en réemployant, à bon escient, vos falaires et queues de rat. Vous faites un geste pour le commun des crinières et des crânes dégarnis. Ici, au salon du couf, nous vous proposons des alternatives au déni du départ impromptu de la tignasse au postiche. Nous vous proposons un accompagnement personnalisé vers une seconde vie offerte à vos cheveux, ainsi que des formes de cadeaux et bons folliculeux pour faire plaisir à un être cher. Parce que nous croyons ferme au réemploi de tout matériau organique et que l'écologie des productions épidermiques apparentes est notre dada. De nombreux individus coiffus et perruqueux, de touffes comme de mélicouettes, nous ont fait confiance, nous ont exposé leur rêve de récidive chevelu et ont dû mentionner le protocole de ramassage pendant des mois pour y parvenir. Ce que nous vous proposons, des transformations utiles, écologiques, fonctionnelles, esthétiques, de nouveaux usages des nattes, soies, bananes, fourches, complétées et pitourues. À présent, quelques exemples de réemploi responsable des cheveux glanés pour mort des clients qui nous ont fait confiance. Daniela, nous avons des commandes d'un pullover en 13 épis pour l'hiver. Nous laissons un commentaire entre parenthèses, je cite, smiley rire, un lire à 22 degrés à l'ombre, X des smiley rire, lol, MDR. Nous l'avons fait. Lola, nous avons des commandes d'une parka déferlante à des capuches réverties contre petit pékinois du nom de Jason Francis. Nous l'avons fait. Fred, nous avons des commandes d'une cartouche de gauloise blonde. D'ailleurs, Fred nous a laissé un petit SMS juste cet après-midi. Je fume de mèche avec moi-même, je me consume enfin de manière sensée avec mes clubs. Nous l'avons fait. Omar, nous avez fait commande d'un panier garni de gambas. Nous l'avons fait. Rani, nous avez fait commande d'un BTC de pneus neige et de deux genouillères. Nous l'avons fait.
Séverine nous avait fait commande d'un ouvrage sur les gaufriers mécaniques de l'ancienne époque. Nous l'avons fait. Manel nous avait fait commande d'un bidet en cristal incrusté de bas-reliefs inspiré des masques égyptiens. Nous l'avons fait. Louis-Marie nous avait fait commande d'une éponge frontale à récurer des plafonds des Kajibis. Nous l'avons fait. Karima nous avait fait commande d'une thèse de doctorat en médecine par les Rubicutes. Nous l'avons fait. Notre dernière pièce expérimentale en cours nous a été commandée par SNG, qui nous a transmis son témoignage. J'ai besoin d'avoir le plan de Paris dans la tête car je me perds tout le temps, ce qui impacte négativement ma qualité de vie. Par ailleurs, je perds beaucoup de cheveux. J'ai commencé le protocole de récolte il y a 7 ans. C'est avec le bocal que je vous ai envoyé en connaissance. Merci si vous pouvez m'aider à concrétiser mon projet. Il s'agit en effet de concevoir un greffon cartographique in situ sur tête, soit une première pour le salon de Couffe. Nous confectionnerons une installation capillaire par extension capitale, intitulée, avec l'accord de la bénéficiaire, Paris Go Big Goody. Le principe de structuration de la pièce est le suivant. Greffer les différents trajets qu'effectue la cliente via des captures d'itinéraire Google Maps transposées sur disquette étiquetées en mode GPS Mesh qui communiqueront directement avec le véhicule pileux de SNG. En escomptant une kératinisation progressive des informations géolocalisées par SNG via ses balises embranchées à l'aide de bigoudis, barrettes, pinces, chouchous, etc. Nous nous réjouissons de vous voir si nombreux et nombreuses ce soir pour assister à la concrétisation de cet ultime accessoire capillaire. Au salon des Couffes en mode baratif, tes fanères en présent dans ta jupe sièvre. Grâce à toi, le réemploi des cheveux est effectif. Ici, on ne coiffe pas que des caniches. Capiche, toutes les queues de rats, les pointes fourchues, un petit chignon laqué, une queue de cheval. On ne pourra sans crinière d'or, quelques cheveux blancs. De la routine, du système, de la routine, de la routine, de la morale.
qui se trompe, qui se secoue, et la lourdeur, elle s'attrape, la casse. Ah! 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 Il se trompe, et il est heureux, et la lourdeur, la chance s'attrape, et la lourdeur, la lourdeur, de ses cheveux de merde. Rendez-vous au salon du couf. À la recherche des cheveux chus, cheveux chus, cheveux chus, coupe au bol, carré aux épaules, tout frigeoté, mèche qui chatouille les chevilles et chute en silence. Va chercher les cheveux chus, cheveux chus. Merci.